Merci à la World Vision, merci à SURTAB, merci à Mode 31, merci à l'Office National Assurance Vieillesse, ONA. Merci à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. D'ores et déjà, bienvenue dans ce nouveau match de Télégénie version 2018. Et ce soir, sur le plateau de la Télévision Nationale d'Haïti, le Collège Saint-Louis de Bourdon et le lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour vont s'affronter pour la gloire et pour l'honneur. D'ailleurs, à Télégénie 2018, tout se fait pour la gloire et pour l'honneur. Sans plus tarder, nous allons saluer notre bicolore via la Dessalinienne. Et là, c'est bien parti pour ce nouveau match, ce nouveau rendez-vous. Collège Saint-Louis de Bourdon, lycée Louis-Joseph Janvier. Merci déjà d'applaudir ces deux établissements scolaires, s'il vous plaît. Place au tirage au sort. Saint-Louis de Bourdon, équipe A. Lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour, équipe B. Eh bien, déjà, bon match à chacun de vous. Merci à nouveau aux partenaires de Télégénie, World Vision, SURTAB, Mode 31 et l'ONA. Là, nous accueillons sur le podium Jean-Jeff Lefebvre et Fabienne Viltus en vue d'assurer la présentation de cette rencontre. Saint-Louis de Bourdon, lycée Louis-Joseph Janvier. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne de service public. Donc, nous sommes, Fabienne et moi, là pour vous apporter, pour vous présenter le match du jour, match qui oppose Collège Saint-Louis de Bourdon. Donc j'ai à ma gauche l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier. C'est l'équipe, selon le tirage au sort, vous êtes équipe B. Équipe B, selon le tirage au sort. Et à ma droite, c'est bien le collège Saint-Louis de Bourdon, équipe A. Saint-Louis de Bourdon, équipe A. Louis-Joseph Janvier, équipe B. Est-ce que vous êtes là, public? Évidemment, le public est là. Alors, la première question, si vous êtes équipe A, normalement, la première question vous revient automatiquement. Et ça va être une question de sigle, comptez sur 40 points. Elle sera adressée au Collège Saint-Louis de Bourdon. Collège Saint-Louis de Bourdon, donnez la définition du sigle suivant. BIRD. Bureau international de la reconstruction et du développement. Non. Bureau international de la reconstruction et du développement. Malheureusement, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que lycée Louis-Joseph Janvier voudrait bien essayer? Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 20 points pour lycée Louis-Joseph Janvier. Alors, la nuance, c'était banque, bureau. Collège Saint-Louis de Bourdon a dit bureau et c'était banque. Voilà. On poursuit avec les questions de cible.
les questions de sigle. Maintenant, question de sigle pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Définissez le sigle suivant, APEC. Association. Et c'est terminé. On a seulement retenu le mot association. Est-ce que le collège Saint-Louis de Boudon veut essayer? Non. Eh bien, on poursuit. Là, nous sommes dans la catégorie des sciences. Question pour l'équipe A. Équipe A, les acides forts A sont plus acides que les acides faibles, B ont une dissociation complète. Je vais reprendre. Les acides forts A sont plus acides que les acides faibles, B ont une dissociation complète. Choisissez la bonne réponse. A, c'est pas la bonne réponse, c'était B, la bonne réponse. Les acides forts ont une dissociation complète. Équipe B, à présent. Équipe B, question de chimie pour vous. Une base est capable de, petit a, libérer un électron, petit b, capter un proton. Une base est capable de, petit a, libérer un électron, petit b, capter un proton. Quelle est la bonne réponse? Capter un électron. A ou B? A. Malheureusement, c'était B. Donc, les acides... Alors, la question, c'était une base est capable de capter un proton. Voilà, capter un proton. Et en choisissant A ou B, ils ont voilà. A. Maintenant, catégorie biologie, question qui sera adressée à l'équipe du Collège Saint-Louis de Bourdon. Nous sommes en biologie, c'est le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques. De quoi parle-t-on? C'est le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptique. De quoi parle-t-on? Réflexe. Non. Voilà. Est-ce que lycée Louis-Joseph Janvier veut tenter une réponse? Non. C'est non. Voilà. Vous répondez, c'est beaucoup mieux comme ça. Question B. Question B. C'est une activité électrique transmise le long d'un axone sous la forme d'une séquence de potentiels d'action. C'est une activité électrique transmise sur le long d'un axone sous la forme d'une séquence de potentiels d'action. Flux nerveux. Vous dites? Flux nerveux. Non. Flux. Non. Vous laissez. Non. Alors, la réponse à la première question, c'était l'axone ou fibre nerveuse. Et tenez-vous bien, la réponse à la deuxième question, c'était l'influx nerveux. Voilà. On est en économie. Hein? Bien sûr, en économie. Continuons en économie. Avec l'équipe A, premièrement. Ouais. Alors, Collège Saint-Louis de Bourdon, la dépression des années 1930 est marquée par A, l'inflation. B, la déflation, C, la désinflation. Je reprends. La dépression des années 1930 est marquée par A, l'inflation, B, la déflation, C, la désinflation. A, inflation. Comment? A, inflation. Non, malheureusement. Ce n'est pas la bonne réponse. C'était B, c'était la déflation. Question pour vous à présent. Les principaux crashs boursiers datent de 1929, 1987 et 2001. Petit c'était A. Petit B, 1929, 1968 et 2009. Petit C,
1929, 1973 et 1993. Pouvez-vous reprendre? Les principaux crashs boursiers datent de petit a, 1929, 1987 et 2001. Petit b, 1929, 1968 et 2009. Petit c, 1929, 1973 et 1993. B. Malheureusement. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est A, la bonne réponse. Donc c'était 1929, 1987 et 2001. Bien c'était sûr. A. Voilà. Nous sommes en actualité à présent. Question comptée sur 60 points. Actualité nationale, le premier colloque international sur la problématique de la consommation en Haïti a eu lieu ce mercredi 14 mars, le mercredi 14 mars dernier, en prélude à la Journée mondiale des droits des consommateurs. Ce colloque a été organisé par une association de consommateurs qui répond au nom de... Donnez le nom de... L'OPC. Non. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que le lycée Louis-Joseph Janvier veut tenter une réponse? Salcon. C'est Salcon. Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens. Question B pour vous. Hein? Question B pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Ouais. Les sénateurs se sont réunis en retraite cette semaine sur la côte des Arcadins au Royal de Cameroun. Ils ont discuté entre autres sur plusieurs dossiers, dont l'agenda de l'année législative et le dossier Petro-Caribé. Cette retraite risque de ne pas conclure aux résultats escomptés. Toutefois, les sénateurs entendent poursuivre le dossier Petro-Caribé. Combien de sénateurs ont pris part à cette retraite? Sept. Sept. Comment? Sept sénateurs. Comment? Sept sénateurs. Non. Voilà. C'est pas sept. Vous voulez pas essayer? Non. Eh bien, c'était... 16 sénateurs. 16. 16 sénateurs sur 29. Ouais. L'Assemblée des sénateurs contient maintenant 29 sénateurs. Eh bien, on continue. Actualité internationale pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. Sébastien Piñera a été investi dimanche devant le Congrès national à Valparaiso comme président du Chili. Pour la deuxième fois, âgé de 68 ans, il a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. Voulant axer son mandat sur l'accélération de la croissance économique, l'ancien propriétaire d'une chaîne de télévision et d'un club de football est l'un des hommes les plus riches du Chili, avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Il était devenu en 2010 le premier président de droite du Chili depuis le retour à la démocratie. Vrai ou faux? Avec plaisir. Sébastien Piñera a été investi dimanche devant le Congrès national à Valparaiso comme président du Chili pour la deuxième fois. Âgé de 68 ans, il a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. Voulant axer son mandat sur l'accélération de la croissance économique, l'ancien propriétaire d'une chaîne de télévision et d'un club de football est l'un des hommes les plus riches du Chili, avec une fortune de 2,7 milliards de dollars. Il était devenu en 2010 le premier président de droite du Chili depuis le retour à la démocratie. Vrai ou faux? Vrai. C'est la bonne réponse. 30 points pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. Votre question à présent. Question pour vous, le lycée Louis-Joseph Janvier. Emmanuel Macron a inauguré le Salon du Livre de Paris ce jeudi 15 mars 2018, qui a été ouvert au public du 16 au 19 mars. Quelque 3000 auteurs sont présents pour cette séance de dédicace et de partage de leur passion de l'écriture. 356 millions de livres physiques et numériques ont été achetés par les Français en 2017. Par-dessus de tout, le marché est en léger recul par rapport à 2016. Celui qui a dominé l'année, c'est Astérix, avec 1,6 million d'exemplaires en moins de 6 mois, avec son dernier opus intitulé
Astérix et la Transitalique. Je reprends pour vous, c'est une question de vrai ou faux. Emmanuel Macron a inauguré le Salon du Livre de Paris ce jeudi 15 mars 2018, qui a été ouvert au public du 16 au 19 mars. Quelques 3000 auteurs sont présents pour des séances de dédicaces et partager leur passion de l'écriture. 356 millions de livres physiques et numériques ont été achetés par les Français en 2017. Par-dessus de tout, le marché est en léger recul par rapport à 2016. Celui qui a dominé l'année, c'est Astérix, avec 1,6 million d'exemplaires en moins de 5 mois, avec son dernier opus intitulé Astérix et la Transitalique. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, c'est bien la bonne réponse. Eh bien, nous abordons à présent les questions de sport. Question de sport pour vous, mesdames. C'est un sport collectif de balles et de battes opposant deux équipes composées normalement de 11 joueurs chacune. Il se joue généralement sur un terrain de forme ovale en herbe, au centre duquel se trouve une zone d'une vingtaine de mètres de longueur, à chaque extrémité de laquelle on trouve une structure de bois, le guichet. De quel sport s'agit-il? Baseball. Non. Volleyball. Non plus. T'es un autre? Non, malheureusement. Est-ce que... Vous laissez? Non. On garde la réponse pour après. Bien sûr. Équipe B, c'est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire, dimension 20 mètres par 40, séparé en deux camps. De quel sport s'agit-il? Je reprends pour vous, si vous le voulez bien. C'est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire, dimension 20 mètres par 40, séparé en deux camps. De quel sport s'agit-il? Le handball. Vous avez dit quoi? Handball. C'est le handball. 30 points. 30 points. 30 points pour Lisselou Joseph Janvier. Et à présent, bon, votre réponse, si vous voulez bien, c'était le cricket. Le cricket. Ouais. On continue avec question la d'histoire. Catégorie histoire. Ouais. Question d'histoire pour Collège Saint-Louis de Bourdon. Le directoire qui succède la convention thermidorienne, dominée par le souci de conserver la colonie de Saint-Domingue, a envoyé une troisième commission civile. Cette commission civile était composée de 5 membres, dont Léger Félicite Santonax, Julien Raymond, Roum de Saint-Laurent. Donnez le nom des deux autres membres de cette commission. Le directoire qui succède à la convention thermidorienne dominée par le souci de conserver la colonie de Saint-Domingue a envoyé une troisième commission civile. Cette commission était composée de 5 membres, dont Léger Félicite Santonax, Julien Raymond, Roum de Saint-Laurent. Donnez le nom des deux autres membres. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Vous voulez essayer? Non. Eh bien, votre question à présent, juste avant de passer à la question réponse. Question d'histoire, lycée Louis-Joseph Janvier. Toute la colonie de Saint-Domingue était à feu et à sang. Il y avait des scènes ponctuées de violence un peu partout. C'est dans ce climat qu'avait débarqué au Cap-Haïtien la première commission civile. Cette commission était composée de 3 membres. Donnez-nous leur nom. Roum, Mirbeck et Saint-Léger. Roum, Mirbeck et Saint-Léger, c'est exact. 30 points, 50 points, pardon. 50 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Alors, nous sommes en géographie, c'est la dernière catégorie de la première réponse, partie. S'il vous plaît. La première réponse. La première réponse, c'était Alexis Giraud et Georges Leblanc. Voilà. Vous le connaissiez. Ouais, ouais. C'est toujours comme ça. Mais ils ont préféré de garder la réponse. Ouais. Voilà, question de géographie pour vous. Vrai ou faux, Collège Saint-Louis de Bourdon? Haïti est limitée au nord par l'océan Atlantique.
prêt. C'est la bonne réponse. 50 points pour Saint-Louis de Bourdon. Vrai ou faux? Toujours pour Louis-Joseph Janvier. Haïti est limité à l'ouest par le détroit de Windward. Vrai ou faux? Faux. Malheureusement, c'était vrai. Voilà. Bonne réponse, c'est bien vrai. Donc vous venez de... Bon, pas de perdre, hein, vous avez raté ces 50 points. Bien sûr. Mesdames, messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, hein, nous allons observer une pause et l'on va revenir après pour la deuxième partie de cette rencontre qui oppose, comme vous le voyez, le Collège Saint-Louis de Bourdon au lycée Louis-Joseph Janvier. Restez avec nous. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transaction yo fait sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Pour de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelque instrument qui interdit en la banque yo. Ou de remettre zamou nan tiroir qui la pour ça ak yon pièce identité. Responsable banque passe l'ordre, aucun employé de la banque n'a pas le droit d'utiliser le téléphone dans le moment de service. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement d'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur la fiche remplie pour la transaction. Personne n'a pas de chercher qu'on ait information sur la transaction à l'autre fait. Under Bank yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, hello, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité yo, ak pour faciliter la banque, by pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça. Rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, notre tête collée à la Télévision Nationale d'Haïti. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, Sayo, qui ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à ce mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences que ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la vie? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. On commence avec la première question de cette deuxième partie. Question qui va être adressée à l'équipe A, Collège Saint-Louis de Bourdon. Équipe A pour vous, Saint-Louis de Bourdon. Nous sommes en capital et monnaie. Capital et monnaie. Quelles sont la monnaie et la capitale de la Corée du Nord? Corée du Nord. Capitale, Séoul, monnaie, yen. Non. Est-ce que vous voulez essayer? Bien sûr. Pyongyang, Wong nord-coréen. C'était la bonne réponse. 20 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Bien sûr. 20 points pour Louis-Joseph Janvier. Votre question à présent. Maintenant? Lycée Louis-Joseph Janvier, prêtez attention. Question de capitale et monnaie pour vous. Quelles sont la capitale et la monnaie de la Corée du Sud? Séoul, Wong, sud-coréen. Vous dites? Séoul, Wong, sud-coréen.
C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. 40 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Okay. Question d'invention, comptez sur 40 points pour vous, mesdames. Donnez le nom de l'inventeur du paratonnerre. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Bonne réponse. 40 points pour Collège Saint-Louis de Bourdon. Louis-Joseph Janvier, qui a inventé la machine à écrire? Barthélemy Simonnier. Non. Non. Benoît Gonnet. Non plus. Chirac. Malheureusement. Vous voulez répliquer? La machine à écrire. Vous ne voulez pas répliquer? D'accord. C'était Christopher Latin Scholz. Ouais, Christopher Scholz, en 1868. Madame, monsieur. Yes. Nous sommes dans la catégorie agriculture. Art et culture, s'il vous plaît. Poète, écrivain, essayiste, académicien et éditeur, il est né à Cavaillon en 1963 et a étudié la littérature francophone jusqu'à la maîtrise à l'Université Laval. Il a fondé en Haïti la maison d'édition Mémoire, le magazine culturel Cultura et la revue d'art et de littérature Bouture. Il vit depuis 2001 à Montréal. Il a été pendant plus de 15 ans directeur de la page culturelle du quotidien Le Nouvelliste. Voyageur, conférencier, passeur de textes, de formes et de mémoires, il fonde à Montréal en 2003 les éditions Mémoires d'Encrier, devenue très vite la référence en diversité et littérature au monde. De qui parle-t-on? René Despestre. Non. Kate Limoz. Non plus. Louis-Joseph Janvier. Malheureusement. Est-ce que Louis-Joseph Janvier veut essayer? Non. Non. Mais votre question. On continue. C'est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémy, en Haïti, et mort le 11 juillet 2017. Il est l'un des fondateurs du mouvement littéraire appelé Spiralisme, en collaboration avec Franck-Étienne et René Philoctète. Dans les années 1980, il apporte un support essentiel aux habitants de la ville des Abricots de la Gradence, dont il est originaire. Père de 3 enfants, il fut maire de la commune des Abricots à partir de 2007. Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité afin de freiner l'exode rural prépondérant en Haïti. De quel écrivain haïtien s'agit-il? René Philoctète. Non? Ben, Franck-Étienne. Malheureusement. Dernière, voilà. Le temps est parti à t'écouler. Vous ne voulez pas répliquer? Non. Ben, les deux réponses rapidement. La première, il s'agissait de Rodney Saint-Éloi. Rodney Saint-Éloi. Et la deuxième, c'était bien Jean-Claude Fignolet. Jean-Claude Fignolet. Il est mort l'année dernière. Nous sommes en technologie, Collège Saint-Louis de Bourdon. Technologie, quel logiciel fabriqué par Microsoft est destiné principalement au traitement de texte? Microsoft Word. C'est la bonne réponse, 50 points. 50 points pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. Lycée Louis-Joseph Janvier. Quel logiciel fabriqué par Microsoft est destiné principalement à faire des calculs et traiter des données comptables? Ouvrez, s'il vous plaît. Quel logiciel fabriqué par Microsoft est destiné principalement à faire des calculs et traiter des données comptables? Microsoft Word? Non. Microsoft Office? Non. Non plus. Et public, s'il vous plaît. Le Est-ce que vous voulez essayer? Écoulé. Oui. Vas-y. Excel. C'est Excel, Microsoft Excel. Voilà. 25 points pour Collège Saint-Louis de Bourdon. Question individuelle à présent. Œuvre et auteur.
Qui est-ce qui répond à la question œuvre auteur? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Rebecca Ochamalotu, la capitaine. Rebecca. C'est Rebecca qui répond à la question œuvre et auteur. Vous lisez les romans haïtiens, étrangers? Oui. Oui, eh bien, on va voir ça. Eh bien, Rebecca, dis-nous de quel écrivain il s'agit. Alors, il est récipiendaire du prix RFO du livre pour le titre suivant. Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Louis-Philippe d'Alembert. Non. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que le vis-à-vis, oui, oui. Le nom c'est Gary Victor. Voilà. Gary Victor. Victor. La bonne réponse. 25 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Question pour vous. La Marginale est un roman haïtien édité en 1987. Donnez le nom de son auteur. Margaret Papillon. 50 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. C'est Margaret Papillon. Et on continue avec les questions de citation. Question de citation. Et qui répond pour la citation pour l'équipe A? Ashley Aurelius. Aurelius. Ouais, c'est Ashley qui répond à la question de citation du Collège Saint-Louis de Bourdon. Ashley, la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. De qui est cette citation? Descartes? Non. Emmanuel Kant? Non plus. 10 secondes sont écoulées. Non. Le vis-à-vis ne veut pas essayer. Ok. Alors, on garde la réponse pour après. Le nom, c'est Sophanie L'Espérance. Comment? Sophanie L'Espérance. Merci. Sophanie, cette citation est de qui? La vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. Vous prenez? La véritable richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. René Descartes? Non. Le bon Gustave? Non plus. Voilà. Le temps est écoulé. Est-ce que vous voulez essayer? Non. Alors, la première réponse, c'était Martin Luther King. Et la deuxième réponse, c'était Mahomet. Alors, après cette catégorie, nous avons la catégorie des proverbes, c'est ça? Proverbes créoles. De l'eau la chaud blanche, complétez pour nous proverbes. Mais il n'y a pas l'air pour ça. Mais qui ça? Mais li palette pour ça. 50 points pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. Mm-hmm. Alors, question Monsieur de proverbe. Louis-Joseph Janvier. Les ventes Chaplin. Qui ratent en mai. 50 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Même pas besoin de relecture. Voilà. Et elle a répondu. On continue avec la catégorie. Philosophie. Philosophie, bien Nous sûr. Nous sommes en philosophie à présent. Par quel terme Platon a-t-il désigné le rôle du philosophe dans la cité idéale? A. Le souverain philosophe. B. Le philosophe roi. C. La politeia. D. Le philosophe Dieu. Je reprends. Par quel terme Platon a-t-il désigné le rôle du philosophe dans la cité idéale? Le souverain philosophe, le philosophe roi, la politeia, le philosophe Dieu. A. Malheureusement, c'était B. C'était le philosophe roi. Voilà. Question pour l'équipe B. L'équipe B. Lequel de ces philosophes s'est clairement positionné contre l'État? Petit A, Nicolas Machiavel. Petit B, Jean-Jacques Rousseau. Petit C, Carl Schmitt. Petit D, Mikhail Bakounine.
petit D. Petit D. Bakounine. C'est Bakounine. Mikhaïl Bakounine. C'était la bonne réponse. Petit D. On poursuit en calcul mental. Calcul mental. Collège Saint-Louis de Bourdon. La largeur d'un pré rectangulaire représente les deux tiers de sa longueur. Le périmètre du pré est de 150 mètres. Ce pré a une longueur de A, 30 mètres, B, 45 mètres, C, 55 mètres. Je reprends. La largeur d'un pré rectangulaire représente les deux tiers de sa longueur. Le périmètre du pré est de 150 mètres. Ce pré a une longueur de A, 30 mètres, B, 45 mètres et C, 55 mètres. 45 mètres. 45 mètres, c'est la bonne réponse. 50 points pour Collège Saint-Louis de Bourdon. Question pour l'équipe mental. B. De quelle longueur faut-il diminuer le côté d'un carré qui a pour périmètre 40 cm pour que son aire diminue de 36 cm carrés? Petit A, 2 cm. Petit B, 4 cm. Petit C, 8 mètres. Vous reprenez, s'il vous plaît. Je reprends bien avec plaisir. De quelle longueur faut-il diminuer le côté d'un carré qui a pour périmètre 40 cm pour que son aire diminue de 36 cm carrés? Petit A, 2 cm. Petit B, 4 cm. Petit C, 8 mètres. Petit A. Petit A, 2 cm, c'est c'était bien la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Alors, question éclair, rapidement. Question éclair, question comptée sur 10 points. Question éclair pour l'équipe A. Quel est le premier livre le plus vendu au monde durant l'année 2017? La Bible. Quoi? La Bible. La Bible. 10 points pour Collège Saint-Louis de Bourdon. 10 points. La question pour l'équipe B. Question éclair. Quel est le deuxième livre le plus vendu au monde? D'espérance. Comment? Chant d'espérance. Non, c'est pas un livre. C'est pas la bonne réponse. En tout cas, il faut tenter quand même. Hein? On aurait bien aimé. Hein? Moi-même, j'aurais bien aimé. La réponse, c'était le Coran. Hein? C'était le Coran. Le Coran. Le Coran qui a atteint 3 milliards d'exemplaires. Ouais, ouais. Et la Bible. La Bible avec 4 milliards d'exemplaires. Question à risque à présent. Pour 60 points, si vous donnez la bonne réponse, et si la réponse est mauvaise, vous perdez 60 points. On est d'accord. Donc 60 points si vous gagnez, moins 60 si vous perdez, si vous ne répondez pas bien. Donc, médecin, équipe A, médecin viennois, il rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de sa discipline dont il est le principal théoricien. Son amitié avec Wilhelm Fleiss, sa collaboration avec Josef Breuer, l'influence de Jean-Martin Charcot et des théories sur l'hypnose de l'école de la Salpêtrière vont le conduire à repenser le processus psychique. Il élabore plusieurs théorisations des instances psychiques, en premier lieu avec les concepts d'inconscient, de rêve et de névrose. Puis, il proposera une technique de thérapie, la cure psychanalytique, qu'il définit pour la première fois en 1904. C'est dans le cadre de la cure, les études sur l'hystérie, et particulièrement dans sa première analyse du cas Dora, qu'il découvre peu à peu l'importance du transfert. De qui s'agit-il? Avec plaisir, même si c'est long.
Médecin viennois, il rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de sa discipline dont il est le principal théoricien. Son amitié avec William Fly, sa collaboration avec Joseph Breuer, l'influence de Jean-Martin Charcot et des théories sur l'hypnose et de l'école de la Salpêtrière vont le conduire à repenser les processus psychiques. Il élabore plusieurs théorisations des instances psychiques, en premier lieu avec les concepts d'inconscient, de rêve et de névrose. Puis il proposera une technique de thérapie, la cure psychanalytique, qu'il définit pour la première fois en 1904. C'est dans le cadre de la cure, des études sur l'hystérie et particulièrement dans sa première analyse du cas d'Aura qu'il découvre peu à peu l'importance du transfert. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? Sigmund Freud. Sigmund Freud. C'était la bonne réponse. Alors, plus 60 pour Collège Saint-Louis de Bourdon. Et à présent, la toute dernière question du match. Elle sera adressée normalement à l'équipe B. Question à risque. Louis-Joseph Janvier. Elle voit le jour dans un appartement cossu au 103 boulevard du Montparnasse et entre à l'âge de 5 ans au cours des Irs où sont scolarisées les filles de bonne famille. Sa sœur cadette Hélène, dite Poupette, l'y rejoint 2 ans plus tard. Dès le plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles et se partage chaque année la première place avec Elisabeth Lacoin, dite Elisabeth Mabille, ou encore Zaza, dans son autobiographie. Zaza devient rapidement sa meilleure amie. Après la Première Guerre mondiale, son grand-père maternel, Gustave Brasseur, président de la Banque de la Meuse, fait faillite et est déclaré banqueroute, précipitant toute sa famille dans le déshonneur et la déconfiture. Aussi, ses parents sont-ils contraints, par manque de ressources, de quitter l'appartement du boulevard de Montparnasse, à côté de l'actuel restaurant La Rotonde, pour un appartement sombre, exigu, au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble de la rue de Rennes. De qui s'agit-il? Reprenez, s'il vous plaît. On reprend avec plaisir. Elle voit le jour dans un appartement conçu au 103 boulevard de Montparnasse et entre à l'âge de 5 ans au cours des Irs où sont scolarisées les filles de bonne famille. Sa sœur cadette Hélène, dit Poupette, l'y rejoint 2 ans plus tard. Dès le plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles et se partage chaque année la première place avec Elisabeth Lacoin, dite Elisabeth Mabille ou encore Zaza. Dans son autobiographie, Zaza devient rapidement sa meilleure amie. Après la Première Guerre mondiale, son grand-père maternel, Gustave Brasseur, président de la Banque de la Meuse, fait faillite et est déclaré banqueroute, précipitant toute sa famille dans le déshonneur et la déconfiture. Aussi, ses parents sont-ils contraints par manque de ressources de quitter l'appartement du boulevard du Montparnasse, à côté de l'actuel restaurant La Rotonde, pour un appartement sombre, exigu, au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble de la rue de Rennes. De qui s'agit-il? Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer, tenter? Oui, non. Voilà. Eh bien, c'est non la réponse? Oui, c'est non. C'est non, c'est non la réponse? Non, c'est pas la réponse. On n'a pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Eh bien, la réponse est bien Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Voilà bien la dernière question du match pour aujourd'hui, le match numéro 6 qui a vu en cette compétition de Télégénie 2018, le Collège Saint-Louis de Bourdon face au lycée Louis-Joseph Janvier. Fêtez ce moment nous toutes aimons partager. Ces moments pour nous amuser.
Pas oublier. Non, toute responsable décision n'a pris en pendant n'a fêté. Si vous boit, pas conduit. Si vous conduit, pas boit. On suspend mauvaise habitude ça y est, n'a conduit. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Passons aux résultats rapidement. L'équipe A, c'était Saint-Louis de Bourdon. Hein? On commence avec le résultat du collège Saint-Louis de Bourdon. Bien sûr. Est-ce que vous voulez bien féliciter l'équipe du collège Saint-Louis de Bourdon, s'il vous plaît? Bien sûr. Tout en notifiant que c'est leur premier match au cours de la compétition 2018. Et on applaudit aussi le lycée Louis-Joseph Janvier, n'est-ce pas? Ouais. Oui, sur l'ensemble du match, Fabienne, sur l'ensemble du match, les joueuses du collège Saint-Louis de Bourdon ont totalisé 365 points. On vous demande de les applaudir plus fort, s'il vous plaît. C'est pas 3 points. Mais 365. Maintenant, on va voir du côté du lycée. Et le lycée Louis-Joseph Janvier a totalisé, sur l'ensemble des questions posées, un score de 430 points. 430. Donc, 430, 365, nous c'est avons, bien le score final du nous match. Nous avons l'équipe gagnante du match 6. C'est le sixième épisode de cette saison 2018 de Télégénie. Donc voilà, l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier vient de remporter son premier match. Donc, dans la compétition. Et à présent, pourquoi pas les salutations d'usage. Aux salutations d'usage. Mesdames les amis et messieurs dames. Ouais, le capitaine. Passez par devant. Fair play. Se salue. À votre prochaine rencontre. Merci d'avoir joué. Téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusque-là. Donc, nous venons d'avoir le match, le sixième match de la compétition, Télégénie 2018. Cette rencontre opposait le collège Saint-Louis de Bourdon au lycée Louis-Joseph Janvier. Donc, c'est le moment de prendre congé de vous. Nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine rencontre. Donc, bien sûr, Jeff. Et avant de partir, nous remercions nos sponsors, qui est bien World Vision, ONA, Mode 31, et bien ONA. Donc voilà, merci à vous tous et à vous toutes. Le prochain à la prochaine match, rencontre. C'est pour bientôt. Restez sur la 8.